Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur USC Counterforce. Ça y est, il est sorti en 1.0 jeudi dernier et comme promis, on va se lancer dans la campagne. Donc la campagne qui était déjà disponible, j'avais fait une petite présentation rapide du gameplay en bêta depuis un mois et demi environ. Mais comme il l'avait prévenu, les sauvegardes n'étaient pas compatibles avec la 1.0, donc je n'avais pas lancé en attendant la sortie. Et ça y est, c'est sorti, donc on va démarrer. Alors si vous ne connaissez pas le jeu, un petit rappel rapidement, hein, c'est un jeu de type tactique survie assez hardcore. C'est vraiment le jeu, type de jeu où on apprend le jeu en se faisant botter les fesses. Il est jouable en coop, soit en écran local partagé, soit via le remote play together. On avait fait quelques parties avec Gaelden, ça marche plutôt bien. Mais comme il n'est pas disponible pour le moment, la campagne va être en solo. On s'en fera peut-être une en multi à l'occasion. Je vous mettrai dans la description des liens si vous voulez découvrir un peu plus le gameplay du jeu sur des parties ou des explications un petit peu plus avancées, parce que là on va relativement survoler, on va dire, les explications. L'idée, c'est d'avancer la campagne et de se lancer dans la nouvelle campagne. Donc pour ce qui est des single missions, des opérations et des defense the base, je vous mettrai les playlists en description et je vous invite à aller les voir si vous voulez rigoler un petit peu, parce qu'il y a de quoi s'éclater vu la difficulté du jeu. J'en profite également pour signaler qu'il y a des grosses promos sur le jeu pour sa sortie, entre 40 et 50%, donc je mettrai en description le lien vers GamesPlanet, notre partenaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un bon 50% de promo. Mais si vous préférez acheter sur Steam, FireSquid a également fait une promo à au moins 40% pour la sortie, donc ça reste quand même très intéressant, ça fait le jeu à 10-11€, et si vous aimez le style, vu les heures de jeu qu'il y a dessus, c'est carrément rentable. On va reset ma petite campagne de test hein, que j'avais faite pour voir un peu les nouveautés. Donc, la campagne, comment ça se passe? C'est un mix de tous les gameplays du jeu, hein, globalement, les défenses de base, les opérations, les missions uniques, et également tout un système de stratégie et de gestion des factions. On va jouer en standard ou en hard pour cette première partie? Allez, en hard pour cette première partie. Ultimate, on n'est pas encore prêt. Déjà en hard, c'est pas dit que ça passe. Mais on va tester pour cette première partie. On va jouer en normal parce que je sais pas exactement, même s'ils disent en bas à peu près le temps qu'on peut s'attendre. 15-20 heures pour compléter une campagne, ce qui est déjà pas mal, hein. Les missions peuvent être très très longues, donc ça peut vite se transformer en 50 heures, je pense. On va rester sur normal et on va prendre les sauvegardes auto et à chaque tour. Comme ça, ça permettra d'avoir du backup si jamais il y a des crashs ou des bugs pendant la campagne, hein, puisque c'est un let's play, vous savez. J'essaie de sécuriser au moins au début, même si j'essaye d'éviter de me servir des sauvegardes, sauf truc vraiment merdique. Je préfère pouvoir recharger si jamais il y a crash. Donc, la date d'opération, nous sommes le 4 septembre 2308. Dans le système LHS 1140 de la constellation Draco. Sur la planète M8322 et son planétoïde M8322X. La distance de la station relais de 22 heures et sa fenêtre d'activation de 54 heures. Pour l'instant, on a un niveau de menace a priori low ou éventuellement médium, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait pour le moment, le commandement a reçu un appel de détresse hein, de la part du USC Weiss. Qui s'est écrasé sur M8322, très bien, alors qu'ils étaient en train de faire d'investiguer une perte totale des communications avec la colonie de la planète. Il reporte des contacts avec beaucoup d'hostiles et des formes de vie extraterrestres. Pour le moment, le niveau de menace reste bas, puisque a priori, ce seraient des animaux sans technologie avancée. Même si peut-être qu'il y aurait des suspicions d'habiter psionique, mais c'est certainement une connerie. Notre flotte d'assaut est donc envoyée pour neutraliser toutes les présences non humaines hostiles. Et de manière générale dans le système solaire entier si nécessaire. On a rendez-vous avec le Weiss, puisqu'elle est censée être en route vers la station relais. On doit faire le debriefing avec eux et mettre en place notre stratégie. Et bien c'est parti. Donc, première chose, on va devoir choisir une faction.
Donc on a 4 factions, enfin on a 5 factions dans le jeu, mais enfin dans la campagne, mais 4 factions qu'on peut choisir au départ. Donc soit on est fidèle à United Space Command, en gros on est un soldat, on n'a pas d'avantages spéciaux, mais par contre on a des bonus de renommée et ils nous aiment mieux. Étant donné que c'est eux qui nous envoient potentiellement des renforts, ça peut être intéressant. On peut aller du côté plutôt des Atomos Laboratories, qui sont globalement des technologies avancées en termes de laser et autres gadgets nucléaires. On peut suivre le Raman Radhakrishnan, excusez-moi, l'Institut Raman Radhakrishnan, qui se concentre plutôt sur la médecine avancée et la biochimie et qui est globalement assez positif comme mouvement. Et enfin, ce qui ressemble à un héritier des Triades, des industries Yokumo, qui sont très avancées dans les technologies plasma, dont l'armement et les boucliers, qui peut être assez intéressant. Pour cette première campagne, j'avais envie de prendre celui-là. Comme ils disent, hein, si vous priorisez leur intérêt, ça fera de vous un humain décent, quoique corrompu. J'aime beaucoup cette formulation. Donc on va les prendre. Alors la faction va jouer sur le fait, sur votre réputation, sur le fait qu'ils vont vous donner des missions à faire et vous allez pouvoir leur demander différents bonus qui dépendent un peu de leur type. Ça ne vous empêche pas de demander des bonus éventuellement aux autres factions, mais du coup ça vous coûtera plus cher. Donc nous serons le signe noir. Call signe, le signe noir. Nous sommes de nationalité UN, oui, là, pourquoi pas, 40, mail. Alors, pour me remercier d'avoir pas mal couvert le jeu, ils m'ont offert le supporter pack Fire Squid, donc je les remercie. D'ailleurs, à la base, ils m'avaient offert la clé aussi, donc je les remercie également pour ça. Donc on a un petit peu plus de portraits disponibles. Donc là on est dans les portraits bonus. Et on va avoir également quelques petits bonus en jeu, typiquement un fusil à pompe unique, des grenades uniques, quelques emojis et compagnie. Donc c'est assez sympathique. On va faire un personnage assez classique. Le mec avec un manteau volontaire, non c'est absolument pas moi. Lui j'aime bien avec ses yeux là. Allez, on va prendre celui-là. Alors, on peut choisir nos capacités de départ. Ça va jouer sur notre équipement de départ et là où sont nos compétences. On peut aussi faire un custom. Mais je pense qu'on va démarrer en tant qu'ingénieur sur cette partie. Focus sur l'électrotechnique et le fil d'expertise. C'est parti. Ce sera la campagne, on va l'appeler Let's Play. Hop là, c'est parti. En avant pour la petite intro. Maintenant, il y a une petite intro, il n'y avait pas avant. Ça, c'est la fameuse station relais qui nous permet d'arriver avec... nos renforts. Alors on rappelle que la développeuse qui bosse sur le jeu est toute seule, hein. Donc ça fait un peu comme du Dwarf Fortress, ça fait 20 ans qu'elle bosse sur l'univers et tout, donc vraiment un sacré sacré taf. Ça doit être le Royce du coup qui vient à notre rencontre. Ok. L'effet immensité de l'univers est très bien rendu. Alors, ça c'est pas nous. Lieutenant-commandeur Mark Marx Benior. Alors, vaisseau de commandement USC Belliofonte, Géo Caliwas, on est 18,
18 juillet 2308 à LH 1140, donc c'est le système solaire où on est, a passé la porte, le relais, la porte de relais. Statut nominal, on s'approche de M82. On commence le débriefing de l'USC Weiss. On l'a intercepté alors qu'il était en route vers nous. On a également l'admiral Munoz qui est présent sur le call. Alors, je suis là. Merci, lieutenant. Maintenant, c'est une situation délicate et on est déjà à court de temps. Donc, colonel, qu'est-ce que vous savez à propos de M82 et de l'incident du Weiss? C'est nous. Alors, M82 est désigné comme une priorité 1 pour ce qui est de l'extraction de matériaux. On a totalement perdu les communications avec la colonie et un site de minage contrôlé par USC. Et du coup, l'USC Wright a été envoyé pour enquêter et rencontrer des hostiles qu'il a décrits comme des formes de vie extraterrestres. Avec des gros guillemets, après s'être crashé à cause d'un temps extrême, de conditions extrêmes sur la planète. Oui, sur ça, le briefing est clair. Ces aliens ont l'air d'être plutôt des animaux, en se basant sur ce qu'on sait des rapports que le Weiss a envoyés. Et pourtant, ils ont éradiqué tout le personnel sur site. Il semble qu'ils avaient un nid bien implanté, décrit comme un méga-nid. Et tout ça sur une planète quasi inhabitable. Serge, j'ai l'impression que vous êtes en train d'insinuer qu'il y a quelque chose d'autre. Effectivement, c'est exactement ça. Certaines parties qui ont été passées sous silence du même report semblent indiquer que ces aliens seraient plus que des animaux. Et on a plutôt tendance à vouloir investiguer, vu que la planète est cruciale pour le futur de la Terre. La déonite, un genre de cristal de minéraux cristallisés qu'on trouve sur cette planète, représente en gros ce qu'était le charbon au 19e siècle ou les réactions à fusion au 21e siècle. Je vois. Maintenant, ce qui n'est pas dans le report, ou dans n'importe quelle autre donnée publique, c'est que des centres de recherche privés et miniers sont globalement posés sur la planète depuis les 30 dernières années. Ok, tout le monde a été posé son truc parce que la déotonite, il faut avoir la main dessus. La plupart d'entre eux sont totalement secrets, essayant d'esquiver même les USC Regulations, donc la régulation de l'USC. Mais ils sont tous en danger si ces aliens sont en effet une menace. La politique de la situation est à peu près assez compliquée, mais votre tâche est claire. Rechercher et nettoyer toutes les menaces restantes que ces animaux pourraient poser. Je comprends que cela vous signifie une surveillance et un contrôle complet de la planète. C'est une sacrée tâche. Vous allez devoir gérer la première vague de dépenses. Chercher et éradiquer leur nid restant, mettre en place des stations de surveillance et fouiller tous les sites secrets que vous pourrez trouver. On a la juridiction pour faire tout ce qui sera nécessaire. Mais d'abord, entendons le débrief de l'équipage du Weiss. On a le capitaine Johnson et le lieutenant-commandant Engelstad qui nous rejoignent. Merci amiral, ça fait du bien de voir quelques faces humaines et amicales. Ces jours sur M8322 ont été brutaux. C'est plutôt un miracle que tout mon équipage soit toujours en un seul morceau. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose de tout le reste. Les aliens, se déplaçant en horde massive, détruisent tout sur leur passage. On a dû utiliser une tête nucléaire pour détruire leur nid principal en dessous de la colonie. Ah d'accord, ils ont carrément nuke la colonie, excellent. Mais alors qu'on était en train de s'élever dans l'atmosphère, on a pu voir qu'il y avait de l'activité dans plein d'autres secteurs. On dirait qu'ils sont en train de se répandre sur toute la planète. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces aliens? J'ai envoyé le rapport avec mon SOS il y a 3 jours. Oui, et ben, on veut le report complet que vous allez nous donner maintenant, s'il vous plaît. Le mec qui soupire, parfait.
C'est compliqué, certains aspects sont assez difficiles à croire, mais on a les données et les enregistrements pour supporter mes hypothèses. Vous verrez bientôt qu'il n'y a pas une seule espèce, il y a beaucoup et beaucoup, il y en a beaucoup, et en plus ils ressemblent à pas mal à des animaux de la Terre, de pas mal de façons. En fait, leur séquençage, pardon, ADN montre que ce sont en effet des mutants ou, je devrais-je dire, des versions améliorées de la faune de la Terre. Ok, excellent. Améliorées par qui? Est-ce que vous êtes en train de dire que les corporations ont lancé des projets de bio-ingénierie secrets ici? Et que ce ne seraient pas des aliens, mais seulement, avec des guillemets, une expérimentation qui aurait mal tourné? J'aimerais bien, mais il y a plus. Leur ADN est modifié d'une manière tellement profonde, des enzymes qu'on n'a jamais vues avant, des croisements entre espèces qu'on n'aurait jamais pu penser viables. Je ne peux pas savoir comment quelqu'un aurait pu faire ça. Je veux dire, personne de la Terre. De son point de vue, aucune technologie humaine n'est encore capable de faire ça, même dans 1000 ans. Donc en plus, il y aurait peut-être des extraterrestres qui joueraient avec la faune terrestre pour nous balancer sur la tronche. Excellent. Il y a aussi d'autres phénomènes qu'on n'a pas complètement expliqués, mais qu'on a observés à plusieurs occasions. On dirait que les aliens communiquent les uns avec les autres de manière télépathique. Et encore pire, il semble qu'ils suivent des ordres en masse donnés par quelque chose que j'appellerais l'esprit de la ruche. Qu'est-ce que c'est ou où est-il? On ne le sait pas. Je pensais que le mégani en dessous de la colonie pouvait en être, mais apparemment on n'a rien trouvé dedans. Et il y a plus, les envoyés. Les quoi? Ce sont des Alpha Plus qui ont une intelligence quasi-humaine, la capacité de communiquer par télépathie avec les humains et un pouvoir que je ne peux simplement pas décrire, un espèce de champ d'énergie d'ombre autour d'eux. Inexplicable par d'aucune manière scientifique que je connaisse, et j'en connais un rayon. Le docteur Chandar a une hypothèse à propos de ça. Est-ce qu'il est disponible? Ajoutez-le dans le call. Et donc il arrive. Oui, si. Oh, désolé. Oh, Admiral Munoz. Je suis heureux de vous voir, Wajid. Ton père sera content de savoir que tu es en vie et que tu vas bien. C'est une coïncidence bizarre que tu serves sur le Ouest parmi tous les bâtiments pour ta première mission. Mais si on mettait les politesses de côté, est-ce que tu sais n'importe quelque chose à propos de ça? Est-ce qu'il y a des expériences? Est-ce que l'Institut aurait des connaissances à propos de ces aliens d'avant l'incident? Non, je ne sais pas. Ah, et là on a Ananda Chandar, donc le daron, qui décide de se joindre. Et c'est le chef de l'institut. Alors j'ai pas fait les tests, il est tout à fait possible que si on choisisse une autre faction de départ, on n'ait pas ce petit déroulement. C'est tout à fait possible qu'on l'ait quand même, je ne sais pas. Excusez-moi pour l'intrusion, je vais aller directement au fait. Vous avez peut-être déjà deviné qu'on a des sheets de recherche non officiels sur M8322. Je dois l'admettre, on les a depuis plusieurs années, mais hier... J'ai le rapport de l'USC m'est arrivé entre les mains. Ananda, tu sais comment je me sens à propos de ça, et c'est un channel officiel. Donc bouge-toi. Ok, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Voici mon problème. Aujourd'hui, un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai reçu la confirmation qu'on a perdu le contact avec tous nos sites sur la planète. Ça colle avec la temporalité de l'incident initial, si on prend en compte le temps de transfert des données. Quelque chose s'est placé sur la planète il y a environ une semaine. C'est comme si tous ces aliens, ou quel que soit ce qu'ils puissent être, avaient soudainement émergé. Alors, l'intro est assez longue, hein. Je traduis du mieux que je peux à la volée, mais l'intro est assez longue. Mais cela dit, ça donne un vrai lore à d'où viennent les aliens. Parce que c'est vrai que dans l'émission solo, on était balancé avec des aliens, bon, fallait les buter, et puis voilà. Mais en vrai, effectivement, d'où ils viennent et d'où viennent leurs capacités un peu bizarres, c'est un vrai sujet.
Vous dites donc que vous ou vos collègues n'ont jamais eu aucun contact ou connaissance à propos de ces aliens avant cela. Exactement, pas de complot ici. Cependant, et c'est la raison pour laquelle j'appelle, honnêtement, on avait trouvé des signes, d'anomalies qui pourraient être connectées. Des signaux électromagnétiques, des changements dans le champ de gravitation, encore très bien. On est toujours en train de fouiller dans les données, mais ces activités ont précédé et peut-être amené l'émergence des aliens. Je suis en train de tout envoyer. Wajid, mon fils, je pense que ce sera dans de bonnes mains. Bien sûr, père. Je vais commencer à travailler immédiatement dessus. On est après tout que à peine une année-lumière de M8322. Faites donc ça, lieutenant. Encore quelques heures jusqu'à ce qu'on soit de nouveau en orbite. Ou est-ce que je me trompe, amiral? J'aimerais avoir des meilleures nouvelles pour vous, mais non, vous ne vous trompez pas, capitaine. Avec tout ce qui se passe, cette flotte, et ça vous inclut également, n'est pas prête de partir. Je sais que vous venez juste de vous extraire de cette horde, mais ça fait aussi de vous les mieux placés ou les experts pour ce qui est des créatures et ce qu'elles sont capables de faire. Mais au moins, vous pourrez vous équiper proprement et le colonel sera derrière vous avec la flotte. Donc le colonel, c'est nous. Hein. Ok, tout est bon. Il faut qu'on récupère des informations sur les activités aliens, qu'on diminue leur nombre, qu'on trouve leur nid et qu'on aide quiconque sera encore en vie. C'est parti, en avant. Souvenez-vous, vous n'aurez pas de renfort pendant au moins une semaine. La porte est en train de se recharger et une quarantaine à l'échelle du système est désormais en place, juste pour être sûr. Donc tout ce qu'on a en capacité doit être réservé aux urgences. Vous êtes pour le moment en dehors des coms normales, donc soyez intelligent et ne prenez pas de décisions à la légère. Et maintenant, en avant. Et Anada, restez dans le call, on l'a toujours parlé. Ok, alors je vais passer le tutoriel, Donc on est balancé sur la planète, donc voici la planète qu'on va devoir pacifier. Donc ici on a des montagnes sur lesquelles on ne pourra rien faire. Ici, l'ancienne colonie qui a été nuke. Donc c'est un cratère empoisonné, donc on va pas pouvoir se poser tout de suite là. Et tout le reste de la planète pour le moment est en point d'interrogation. Donc il va falloir qu'on choisisse des endroits à scanner avec nos scans. On a 3 scans gratuits. Et à chaque fois qu'on passe une journée, une mission de time phase. D'ailleurs c'est même pas une journée, c'est 3 heures. Donc 5 total delight, ça fait une journée. Okay. Donc on avance de 3 heures à chaque fois. À chaque fois qu'on avance, on en gagne un gratuit. Et on commence avec 3 gratuits. Et après, on peut éventuellement payer si on veut scanner plus. On commence avec 8 têtes nucléaires si jamais on doit nuke des endroits. Mais si on doit nuke des endroits, ça les rend totalement impropres. Ça tue tout ce qui est à la surface. Mais la pénétration est très faible, donc ça ne tue pas les trucs souterrains. Ici, on a le niveau de menace qui commence à 36%, mais il est basé sur ce qu'on sait. Donc il est potentiellement beaucoup, beaucoup plus élevé. Notre principal objectif sera de le descendre. Ici, on a le contrôle, qui pour l'instant est de 10% sur la planète. Plus on va se poser, plus on va s'étendre, poser des bases, etc., plus on va pouvoir le faire augmenter. Et ça fait augmenter notre renom. Et ici, l'intelligence, donc les informations... qui pareil vont venir de nos recherches, de nos scans, de si on pose des stations de surveillance, des radars et compagnie. On a un income en crédit qui est de base et on a un income en déotonite qu'il va falloir aller miner et défendre nos bases de minage. Il va falloir qu'on trouve des sites pour miner pertinents. En haut, on a nos réquisitions crédit, donc notre stock de base, et les ressources points qui nous permettent de construire nos bases d'origine. Au niveau des communications, on va retrouver les 5 factions. Donc pour le moment, on est à 55 avec eux parce qu'ils nous aiment bien. Ce qui nous permet d'avoir accès à des réductions sur le Hazmat Kit et l'Hydrazine Infernomix, donc un carburant pour lance-flamme. Alors déjà que le lance-flamme, c'est l'énervement, le Infernomix, il doit péter. On pourrait avoir un Bio-Rifle et un Régénérateur, ok.
Et donc, eux sont plutôt orientés heavy arms. Donc, avec de la déotonite, on pourra améliorer notre équipement au niveau heavy. Ici, plutôt small. Ici, un peu n'importe lesquels. Ou alors des têtes nucléaires. Et ici, plutôt la mêlée. Et donc, ouais, plutôt la mêlée, combat knife, katana, self-defense, shotgun, sniper rifle, The Duku Damarung, c'est le fusil à pompe spécial du supporter pack qu'on va bien évidemment utiliser. Et ça, c'est les Free Earths, donc un peu les rebelles terriens qui tiennent le marché noir. Donc eux, à chaque fois qu'on va interagir avec eux, ça va faire un peu mal, enfin ça va un peu déplaire à tous les autres, et notamment aux USC, donc on verra si on en a vraiment besoin. Mais ils peuvent permettre d'échanger les deux ressources les plus rares, l'Azura 49 et la Déotonite, qui sont ces deux-là, là, pour d'autres matériaux, donc ça peut être très intéressant. Et on a bien évidemment notre pool d'unités. Donc on commence avec tout ça, on a l'équipage du Roess, hein, qui est ici, on reconnaît Papa, on reconnaît Doc. Atom ici, il y a Marx également. Et après, on a un certain nombre de personnages qui viennent automatiquement, du plus gradé au moins gradé. Notre personnage est totalement envoyable sur le champ de bataille. Hein. On peut totalement aller sur le champ de bataille se battre, hein, et si on meurt, la campagne se termine. Mais si on est envoyé sur le champ de bataille, il est tout à fait possible aussi qu'on se retrouve à devoir défendre nos bases. Donc ce n'est pas un signe de sécurité que de ne pas aller se battre. Et je vois qu'on a tiré pas mal de combattants au corps à corps pour commencer. Parmi nos personnages expérimentés, intéressants. Alors, à la demande de la communauté, la développeuse a ajouté un bouton pour reset les compétences qui permet du coup de respect tous vos personnages car les marines, quand on les récupère, ont déjà certaines expérimentations et certaines capacités. Moi, je pense que je vais rester avec les trucs de base. On verra au cas par cas vraiment s'il y a des mecs qui sont pas du tout équilibrés, mais je vais rester sur les trucs de base parce que j'aime bien l'idée que le jeu nous impose autre chose et qu'il faut qu'on fasse avec. Donc, on va rester sur nos appuis. On se gardera le bouton reset éventuellement pour des moments un peu critiques. Du coup, si on regarde le roster, alors on va peut-être se donner mieux qu'un petit couteau, nous déjà pour commencer. Parce que du coup, on a deux en mêlée, deux en marksmanship et deux en heavy. On pourrait se prendre un petit Deco Amerung, donc le Deco Amerung qui est un shotgun. Et le quack quack, c'est quand même super classe sur un Lossing Noir. Et on va immédiatement d'ailleurs récupérer, parce qu'on me l'a demandé, tac tac tac, est-ce qu'on a une demoiselle? Voilà, pourquoi pas. Tiens, ici, parfait. Roberta Banks, ce sera Pisspouce. Si je clique sur Cancel, ça ne marche pas bien évidemment. Pisspouce, à la demande d'Aminou. Et du coup, tu seras spécialisé en fusil à pompe. Donc on va unload, stock. On va te filer un Deco Amerung. Hop, tu l'équipes. Voilà, et on commence comme ça. Ici, alors l'avantage de... Pourquoi j'ai envie de lui donner un fusil à pompe à lui, c'est que l'avantage du fusil à pompe, c'est que il est... Il est QW, comme ils disent. Donc toutes les armes maintenant qui sont CQW, pardon, peuvent être portées avec un bouclier. Donc là, je peux complètement l'équiper et le porter avec un bouclier. Bien sûr, il va me falloir quelques munitions pour ça. Hop, on va prendre un petit peu de munitions, on verra après pour le détail qui part en mission ou pas, mais au moins on est un minimum équipé avec notre copain. Tac tac tac. Où sont les objets que j'ai stockés du coup? Ah merde, j'ai peut-être pas fait gaffe, je les ai détruits en fait. Le pisse-pousse. Celle disassemble. Ah oui, c'est stash qu'il faut que j'utilise. Zut, j'ai dû les vendre en fait. Donc ouais, c'est plutôt stash qu'il faut que je fasse attention à utiliser. Ok, très bien, pas de soucis.
Le stock m'a trompé, mais à mon avis, ça doit être un petit bug de texte. Donc bon, la première chose à faire, ça va être de se poser sur la planète. Alors un endroit, quand on scanne en fait, on va scanner à 100% la case qui est autour de nous et à entre 30 et 60% les cases autour. Donc l'idéal, ce sera d'avoir une case avec le plus de pas de montagnes autour pour optimiser notre scan, mais malheureusement, elles sont assez mal placées les montagnes. On va partir par là assez vite, assez loin du site de Blast. C'est parti, on scanne. Ok, on a direct là une grosse menace ici. Un nid, cache. Triple menace. Donc du coup, on est sur une opération de type 3 missions et on peut envoyer jusqu'à 18 mecs. Donc là, on est sur du gros gros vénère là. Mais il va falloir qu'on s'en occupe si on veut pas. Si on veut pas risquer bah, de se faire péter les fesses. On est tombé sur un site, pas de bol, avec juste 17 000. On voit que le cristal là est tout petit. Donc c'est absolument pas intéressant de construire une base ici pour miner. Ça pourrait éventuellement être intéressant si on voulait avoir une base pas très loin du nid pour protéger, mais c'est pas ouf quand même. Du coup, je pense qu'on va scanner. Ici c'est vide, ici c'est vide, ici c'est vide, et ici il n'y a quasi rien. On a hyper mal choisi en fait. Fait chier. Ici il y a quand même un petit peu, mais même 68 000, c'est pas ouf. Hein. Du coup, on va scanner par là. On en a 3, c'est important de trouver un endroit intéressant. Ici on a un 74 000. Pas d'aliens directement proche. Donc on est qu'à 47%. Donc a priori il n'y a pas de menace, mais à 47% on pourrait se foirer. On va quand même prendre cette case. Alors le premier chargement est un petit peu long, puisqu'il calcule tout. Ok. Alors, pour l'instant, pas de base. Il n'y a aucune menace imminente qu'on ne connaisse. Important. On va pouvoir construire différents trucs. Donc du coup là on est sur la phase de défendre the base entre guillemets. Hein. On va pouvoir s'installer pour essayer de miner. Ici il y a une très belle zone avec de la subsurface. Alors du coup, priorité, il nous faut un harvester. C'est pas celui-là. Si c'est ça pourtant. Oh, tu peux pas le poser. Ah oui non, je peux pas le poser parce qu'il y a des. Il y a des petites saloperies là. Ouais, il va falloir qu'on paye hein, pour chaque truc qu'on fait. Hein. Donc on va poser un harvester et après on peut poser des subsurfaces ici. Donc là on a un 1500 quand même qui est pas mal. Et ici un autre 1500. Ok, on va commencer par ça déjà. Il va nous falloir de l'énergie, mais du coup on va déployer nos bâtiments par là, vu qu'il n'y a pas trop de subsurface. On va déployer nos bâtiments par là, faire nos sols par ici. Donc c'est parti, on fait un petit peu de sol. Les murs, on peut les faire. Ouais, on peut les faire en dehors du sol. Ah putain, le sol est instable ici. Ah oui, alors faut faire attention parce que le sol instable, il faut construire du coup on le voit un peu en plus clair là. Il faut construire du sol dessus. Ça coûte plus cher que du sol sur du stable. Mais si on le fait pas, les aliens peuvent totalement décider de s'enfouir et de ressortir à n'importe quel autre endroit. Donc il faut faire un peu attention. Ici, il faut qu'on remove ça. On va protéger notre harvester. Et ici, on va certainement protéger là en diagonale et ici. Donc, on va pas faire de mur de ce côté-là pour le moment. On va faire une porte là, une porte là, une porte là. Et je crois qu'il faut qu'il soit fermé notre pièce si on veut poser un petit réacteur Gauss des familles. Voilà. Là, c'est bon. On voit qu'on commence à miner. On ramasse 5 000 matériaux par phase. Maintenant, ce serait quand même pas mal de protéger un peu tout ça. Donc on va s'appuyer un petit peu sur la caillasse. Hein.
Ah, il y a des tout petits cailloux là, vous êtes sérieux? Tac, tac. On va faire quelques trous quand même pour pouvoir passer. Ici, il faut construire assez loin d'eux parce que si on le fait trop proche, on va baisser voilà, sa capacité. Bon, bah là, on n'a pas trop le choix parce que. Il faut qu'on ferme là, mais. On bloque la diagonale. Et ici, ça pourrait être pas mal quand même. D'avoir potentiellement moyen de passer. De voir ce qui se passe là. Si je le remove, ça me coûte 200. Ouais, tant qu'on n'a pas passé un truc, ok. Donc là, on a moyen éventuellement de sortir par là, de se déployer par là. Il y a pas mal de sol instable, donc je pense qu'on va quand même construire du sol également. Tous les endroits où ça coûte pas 100, là. J'ai pas envie d'avoir des saloperies qui me pop dans le dos. Là. On le voit sur la map, hein, c'est la zone en... Tout ce qui est en marron, c'est du sol instable. Normalement, on peut... voir... Donc ça, c'est pour le raw material. Et le power overlay. Ok, non, on peut pas le voir directement. Dommage. Ce serait pas inutile. Ok, on est déjà pas si mal. Ici, je vais faire un mur au cas où il y a un machin qui passe. Voilà, là, le mur est vraiment fermé, on voit. Et on pourrait s'enlever ce rocher. Hop, comme ça on peut pouvoir passer. En plus ça nous permet de miner à 1700. Pareil ici on va passer un peu plus efficacement. On va enlever les obstacles à l'intérieur. Pour pouvoir se déplacer le plus efficacement possible en défense. Sachant que là on est tout au bord de map. Donc c'est tout à fait possible que des aliens sortent là. Il n'y a absolument aucun... Enfin c'est totalement possible. Est-ce qu'on ferait une petite raffinerie? Peut-être pas tout de suite, un conteneur. Tac, tac, tac. Ok, lui il pourrait attirer des aliens, mais ça augmente de 3% le raw material, mais il faut une raffinerie. Ok, pour le moment, on va peut-être pas se lancer dans une raffinerie. Ici, on pourrait aller poser un autre truc. Si j'affiche la grille, ouais, la grille d'énergie malheureusement n'est pas... J'aurais peut-être pu le placer plutôt par là. Est-ce qu'on peut le déplacer? Repair, door, walls, j'ai pas l'impression. Alors après, pour l'instant, il coûte 5000, je peux l'enlever. Donc, on peut l'enlever. Donc toutes les portes s'ouvrent, tout s'arrête, bien évidemment. Et du coup, si on le plaçait genre par là, il faudrait qu'il aille quand même jusqu'ici. Il va nous falloir un petit peu de... Alors on va être sur une série où on va avoir beaucoup de phases où on va avoir l'impression de rien faire. Et après, c'est, on va avoir des phases de mission où ça va être la grosse orgie. Donc je préviens, hein, ça va être une campagne qui va être assez en dents de scie, je pense, au niveau de ce qu'on va y faire. Je pense que je vais enlever le mur ici, je ferai une porte. Ah, ici, c'est instable. On va faire une porte là. Ici c'est instable, ici c'est instable, ici c'est instable, ici il y a de la petite saloperie de poussière. C'est instable, et c'est bon. Une porte, ok. Porte, ah on peut pas faire des doubles portes pour le moment, ok intéressant. Donc, du coup on va faire un mur de plus, avec une porte, voilà. Et alors là, du coup, est-ce que j'ai bien calculé? Si je le mets là, ça n'a pas assez pour aller là-bas. Est-ce qu'on a des gens de relais? Hmm.
Ça c'est 3 mégawatts. Ah mais j'avais pas vu, il y a le effective range 16, donc j'aurais pu en fait. Après, si je mets la grille, 1, 2, 3, 4, 5. Ah il est trop loin. Je pourrais alimenter celui-là, mais c'est tout. Pas plus. De toute façon, il va nous falloir un petit générateur auxiliaire. Lui c'est 4. Donc il faudra que je le passe par là. Et il fait pas assez, il faut combien pour ça? 10 mégawatts, ah oui. Donc ça c'est 3 mégawatts, d'accord. Donc ouais, non, c'est pas intéressant. On va l'enlever. Il nous faudrait un plasma coil qui coûte que 2000, mais qui donne 8 mégawatts. Donc c'est quand même pas assez. D'accord. Donc en fait, il va nous falloir deux réacteurs Gauss. Hein. Pas le choix, si on veut vraiment miner toute cette zone. De toute façon, là, on va en plus. Allez, ah là, il y a pas de subsurface ici. Il y a un petit peu de subsurface, ok, mais quasiment rien. On a quand même un 1700. On a plus de thunes. Putain, on a plus de thunes. Ok, ça va tellement vite. Bon, là, la défense n'est pas ouf, hein, notamment cette salle. Si jamais elle se fait attaquer, il va falloir qu'on tienne notre terrain. Mais on peut tenir notre terrain. Ça me fait pas peur. Avec deux escouades. Ok. Bon. Au moins, on ramasse 5500. C'est-à-dire 55 déotonites complets. Ok, très bien. Ici, je vais utiliser mon dernier scan gratuit pour vraiment voir ce qu'il y a. On l'a à 100%. Il y a des vents violents. Ok. A priori, ah, ici, il y a quoi? Un dérélict site. Pareil, 3 missions. 12 à 18. Et ici, un autre site, 12 à 18. Ok, il va y avoir de quoi faire. Donc, pour l'instant, on a notre base ici. Dérélict, je l'ai pas le mot. Faudra que je vérifie la traduction. Éventuellement, on pourra faire une autre base là, mais avec 6000, il nous faut beaucoup, beaucoup de quoi investir. Hein. Au départ. Hein. Mine de rien. Est-ce que je peux mettre les sites de déploiement? On peut envoyer des supplies, mais c'est pas trop gênant. Ouais, c'est ça, c'est les resource points. C'est pas les. Comment je vais y arriver? Je vais trouver le mot. C'est pas les crédits. Est-ce que je peux acheter éventuellement des ressources points? Ouais, je peux vendre des ressources pour des ressources points, ok. Du coup, si je voulais mettre un petit radar, il nous faudrait 5000 balles. Vu qu'on a largement l'énergie, il faudra qu'on en pose un, mais on va devoir attendre un peu. Prochain tour, on pourra en poser un, ça fera pas de mal. Là, on pourra directement partir en mission, mais par contre, il nous faut 10 à 18 mecs en état. Donc, on va arrêter le premier épisode ici et le prochain tour, prochain épisode, on va s'occuper de se préparer une escouade, au moins une escouade, si ce n'est deux, capable d'y aller. Parce que, mine de rien, on n'a pas tant de monde que ça. Si on envoie 18 mecs en mission, 18, c'est énorme, quoi. Il nous reste pas grand-chose pour. De quoi? Combien on a de personnes, on peut savoir? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on a 24 personnes. 24 personnes de disponibles. Et on peut recruter. Ok, on peut éventuellement récupérer un mec de notre équipage pour l'envoyer au combat si on le souhaite, mais ça fait baisser notre renom. Ce qui bien sûr n'est pas bien. Ok, bah on partira peut-être au fight du coup, hein, on va voir. Mais on verra ça lors du prochain épisode en tout cas. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!